Vous savez, mes amis, ça peut avoir l'air impressionnant, la tournée de spectacle pour le commun des mortels. La tournée internationale, avec nos 72 pays, avec la France, l'Italie. Il faudrait surtout pas oublier la foule endiablée de la Russie. Ou aussi les 12 soirs complets à Tokyo. Bon, on a assez parlé de Céline Dion. On va parler un petit peu de moi. Vous savez, la grosse mode, c'est que les humoristes au Québec veulent réussir en France. Je dois dire que je suis très, très fier d'avoir le titre du gars qui s'en fout le plus de réussir en France. Moi, ce que j'aime, c'est de faire les quatre coins du Québec. Comme hier soir, j'étais en Abitibi. Et ce soir, je m'en vais à une place qu'on appelle un peu le Monaco du Québec. Laval. Ouais. Fait que moi, je suis prêt. Mon avion est prêt. Il me manque juste un détail. Ben, deux détails, peut-être. Minou! Ici, ici! Mais voyons, Minou, je serais pas parti sans toi. Hey, c'est la dernière hôtesse de l'air pitoune qui reste. Puis c'est moi qui l'a. Et je tiens à vous rappeler que les sorties de secours se trouvent à l'arrière de l'avion, les gilets de sauvetage sous le siège, et en cas d'accident, ne vous inquiétez pas, je suis équipée de coussins gonflables. Oh. On est en sécurité. Alors, go à l'avant, Minou? Yes. Wow.
Tabarouette! Wow! Hey, ça fait déjà 20 ans que je fais ce métier-là, puis pour une captation télé, je vous dirais que d'avoir une ambiance comme ça, là, merci, merci beaucoup d'être avec moi pour immortaliser ce spectacle-là. Merci beaucoup tout le monde. Yes, sir! Ouais! Hey, dernièrement, je me suis remis à l'écriture, je travaille fort, puis je pense que j'étais en train de perdre mon titre de gars élevé. Ça se peut-tu? Non, la madame a pas... Non, je sais pas, mais ça, la société en général est rendue plus avec moi. Êtes-vous d'accord avec ça? Parce que pour être élevé aujourd'hui, il faut que tu sois éveillé, esti. Je vais leur prendre mon titre, faites-moi confiance. Hey, on est live à Laval, esti. Oui, on avait le choix de Los Angeles, écoute, Las Vegas, mais dis-moi, Laval, me semble, il y a un petit quelque chose. Oui, mon titre de gars éveillé, moi, on me qualifiait surtout de cru vulgaire éveillé. Là, vous pensez que c'est tous des synonymes, ça? Je vais vous l'expliquer la différence, moi. Quand t'es cru, Denise Bombardier, elle rit pas. Et qui risque, elle rit pas. Quand t'es vulgaire, Denise Bombardier, elle écrit une critique sur toi. En tout cas, dans ma vie, ils n'ont pas été très gentils, les critiques de Denise à mon égard. Puis quand t'es TV, c'est parce que t'as couché avec Denise Bombardier. Hein? Ouais, je vais leur prendre mon titre, mais c'est pas évident. Puis quand j'ai dit la société en général est TV, même les jeunes sont TV de nos jours. C'est toutes les âges de la société, mais les jeunes en particulier, j'ai écouté quelque chose. Puis pas, ça vient pas de moi. Dites pas que je suis TV, c'est moi, j'ai écouté ça. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont vu. Ça parlait de la sexualité des jeunes d'aujourd'hui versus les jeunes d'hier. C'est plate, les gars, mais on fait partie de la sexualité d'hier. Ça, c'est poche en tabarouette. Mais en tout cas, il parlait que les jeunes d'aujourd'hui, il y a un pourcentage, un bon pourcentage de jeunes du primaire d'aujourd'hui qui se font des pipes dans l'autobus en s'en allant à l'école. Ils doivent me trouver mon oncle avec mes jokes de pète de noun, moi, là. Mais là, j'ai réfléchi à ce fléau. Et j'en suis venu à la conclusion, si ça les incite à poursuivre leurs études... Hey, mais s'il y avait eu ça, des pipes dans l'autobus quand on était jeune, hein, monsieur? Asti fractuaire, moi. Ah, ouais. Mais c'est pas évident. Puis la concurrence est féroce. Pour prendre mon titre de gars éveillé juste avec Internet, essayez d'être éveillé avec ça. Internet. Excusez, ça a sorti de main. Moi, je suis mauvais avec ça, Internet. J'ai pas de temps, j'ai une vie. Je vais à la pêche, je vais à la chasse. Je suis dans le bois. Là, il y a une gang qui va dire « Ouais, mais c'est un outil de travail super pratique. » Il y a une gang qui se crosse là-dessus aussi, là. On va dire les vraies affaires, hein? Mais tu sais, Internet, je suis mauvais. Puis quand j'ai écrit un petit peu, j'ai dit à mes amis autour de moi, « Donnez-moi un peu l'univers de ça, Internet, pour pas que j'aie l'air d'un con quand j'en parle. » Puis là, j'ai fait la guerre de le dire « Surprenez-moi. » J'aurais dû fermer ma gueule, mais... Hey, c'est n'importe quoi, Internet. N'importe quoi qui finit avec .com, tu l'as. N'importe quoi. Crottedonnée.com. Tu vas en esticab avec quelque part qui lui montre sa collection personnelle. Puis je trouve que ça a ouvert la porte au monde fucké. Déjà qu'il y a du monde avec des fantasmes fuckés, Internet les amène en plus à s'échanger. Ça me fait peur. Non, mais c'est vrai. Hey, juste le fun demain, à soir, à Laval Live, on s'invente un fantasme un peu fucké, OK? Juste le fun. On s'invente un fantasme un peu fucké, puis quand on arrive chacun chez nous, on tapera voir si on l'a. OK? Qu'est-ce qu'on... Ah, je n'ai vu un l'autre soir. Ça, c'est drôle. Un nain. Trouve ça drôle, ça? Un nain? C'est drôle, un nain. On s'invente un fantasme avec un nain. C'est pour... Tu dis, j'aimerais ça, moi, voir un nain avec de la confiture d'en face. Ça se peut, ça? Là, c'est pas mon fantasme. Si on invente un de même, là. Attention, ben, je sais comment faire, OK? Tu fais Google, nain, confiture d'en face, enter. On a 3-4 paires de nains de la confiture d'en face. Mais c'est pas bien bien élevé. On monte ça d'un cran, hein? Oui. Êtes-vous là, Steve vous parle, OK? Oui. Ah. Il est commencé chaud, là, à un moment donné. Parfait, on monte ça d'un cran? Oui. Parfait, on prend le même nain, on l'a, hein? On va s'en servir, hein? Pis on écrit sur un bledin dans le cul, t'sais.
je suis un malaise, hein? Faites-vous-en pas, madame. Je respecte le nain. Je mets un peu de beurre avant, hein? Google, nain, blédin, beurré, enter, hein? Ouais, on va leur prendre mon titre, vous allez voir. Ah, mais là, tantôt, vous parlez des jeunes et TV. Même les personnes en rue de nos jours, les trouvent éveillés. C'est vrai. Peut-être que c'est à cause d'une pilule, mais tabarouette. Ah, à 80-85 ans, ils ont le pouvoir d'avoir une vie sexuelle intense. Hein? Je suis pas à l'aise avec ça, cette affaire-là. Le sens aux sexualités intense, puis. Non, c'est. Mais ça, une petite grand-mamie, c'est. C'est pas fait pour ça, c'est. C'est fait de donner des popormen quand on va là. C'est pas fait pour faire du sexe intense, voyons. Non. T'as surtout pas le goût d'entendre parler de ça, là. Hein? T'arrives chez ta grand-mère, elle sort de la chambre tout dépeignée. Elle dit, Sarah, grand-papa m'a donné toute une correction. On veut pas entendre ça, hein? Puis dans mon livre à moi, pour ce qui est des hommes, quand t'es rendu avec les fesses plus plissées que ton scrotum, slack. Arrête ça, papa. Donne la chance aux autres de s'exprimer un peu, là. Hey, parce que c'est pas évident, cet oncle-là. Là. Si le bonhomme est encore capable, la madame, il faut qu'elle suive. À cet oncle-là, bien plus habitué de manger du mou que du dur, hein? Ouais, on va leur prendre mon titre, vous allez voir. Mais c'est pas évident. Mais parce que d'un côté, tu sais, oui, c'est vrai que c'est TV, avec la télé, avec les chaînes de télé spécialisées, avec Internet. Oui, c'est TV. Mais d'un autre côté, mes amis de Laval, on est en train de devenir une société politiquement correcte. Vous savez qu'est-ce que je veux dire par politiquement correct? Non. On peut plus rien dire. Tu peux le penser, mais pense pas fort. Pense pas trop fort. Tous les mots qui étaient bons avant sont plus bons. On plus le doigt. Tu sais, comme un gros, hein? On a plus le doigt de dire ça. Il sait, là. Un gros calice. Il est gros, tu sais. Mais on n'a plus le droit. On n'a plus le droit. À ça, il faut dire que c'est des gens qui ont des problèmes de glandes. Hein? Il y en a une maudite gang là-dedans qui mange deux glandes panées. Hein? On peut plus rien dire. Hey, même plus le droit de dire fif. Ramène ça, dire ça. Hey, si tu te fif, t'as pas appelé hier. Si tu te fif, t'es pas rejoignable. Ramène ça, dire ça. On n'a plus le droit. Ça, il faut dire des gays. Mais je suis pas d'accord. Il me semble qu'un gay, c'est moins fif qu'un fif. Hein? Non, mais c'est vrai, un gay peut avoir un chum, une vie de couple normale, mais un fif, c'est une tapette, une pédale, une style momoune. Je chante-tu encore un malaise, moi? Faites-vous-en pas, madame, je respecte les fifs, hein? Mais je mets pas de barbe, ben là! Non, je respecte les fifs, mais il y a de quoi qui me gosse, par exemple. Puis c'est pas un jeu de mots, ça, là. Moi, c'est quand ils disent qu'ils sortent du garde-robe. Oh, ce qui m'énerve avec ça. C'est pareil comme si on s'en doutait pas, là. Hein? Il y en a une gang là-dedans que la porte du garde-robe était ouverte. On les voyait faire en sacrifice. Là. Mais on nommera pas de nom, par exemple. Hein? On n'a pas toute la soirée. Dieu merci, hein? Ah ouais, explique-y, là. Hein? Elle l'a pas pogné pantoute, elle. Son chum est à côté, là, ça s'alveille. Oh, tabarnak. Mais c'est ça. Mais je vais leur prendre mon titre. Mais c'est pas évident, une société politiquement correcte. Ah, oh, en parlant de ça. Je m'excuse pour tantôt. Ouais. Je t'allais dire des nains. On n'a plus le droit de dire ça. Ouais, c'est ça. C'est des petites personnes, c'est ça. Mais je suis pas d'accord. C'est différent. Un nain, c'est un nain, puis une petite personne, c'est une petite personne. C'est très différent. Avec ses plates en acier pour les petites personnes.
Ils se font traiter de nains, c'ti, voyons donc. C'est différent. Si tu mesures 4 pieds, t'es une petite personne. Mais si tu mesures 4 pieds, t'es potelé, t'as un gros cul, puis tu marches comme un cow-boy. T'es un nain! Yes! Politiquement, garé. On peut plus rien dire. Tous les mots qui étaient bons sont rendus péjoratifs pour l'homme ou pour la femme. Hey, même plus de doigts de dire hôtesse de l'air. C'est péjoratif. À ce temps, il faut dire des agents de bord. Mais là, je pense d'être d'accord avec moi, Laval. Depuis qu'on appelle ça des agents de bord, eux, ils sont moins belles. Hein? Hey, les hôtesses de l'air étaient bien plus belles que ça. Hey, c'était des pétards, des mannequins. On rêvait tous d'avoir un hôtesse de l'air. Depuis qu'ils appellent ça des agents de bord, ils étaient. Ils ont laissé passer des petits barils de boîte aux auditions, là. Non, je veux bien qu'elle parle 2-3 langues, mais elle m'emmenait à de la misère à passer en la ligue au chariot, là. Mais là, j'ai réfléchi à ça. J'ai dit, pour moi, ils en mettent des moins belles dans les avions. Ils sont dit, ça s'écrase, ça fait moins de peine au monde. Hein? Et bonne joke, là! Hein? Ah. Ben c'est ça! Hey, j'espère que vous n'êtes pas rendu politiquement correct, Laval! Hey, on est même rendu avec des gros tests de l'air. Et ça, c'est le fun. Ça, c'est viril en tabarnak. Là, s'il y en a qui se font, hey, je suis pas un hôtesse de l'air, je suis un agent de bord. Oh, mon astu de tapette de gars. On pense que t'as pas chier ton cours de coiffeuse, ça venait me faire chier, ça. Ouais, on va leur prendre mon titre, vous allez voir. Mais ça, on peut plus rien dire. On peut même plus dire que quelqu'un il est sourd. C'est rendu des malentendants. Asti, il entend pas mal, le gars, il entend pas, tabarnak. On n'a même plus le droit de dire des aveugles, c'est rendu des non-voyants. On va te changer les lits d'histoire avec ça. On dit que l'amour est non-voyant. Ça marche pas, ça. Vous êtes d'accord, Laval, que l'amour est aveugle, hein? Oui! La preuve, un moment donné, tu t'ouvres les yeux. Où sont mes meubles? Où est ma maison? Wouh! La glace est cassée. Monsieur avec la chemise jaune, on applaudit quand c'est le temps. Ah! Oh. Puis elle regarde le monde, tout le monde applaudit. Et là, ouais, ça marche, on joue. Ouais. Hey, mes amis, ma mère, elle a vendu la maison, elle a grandi. Puis c'est normal qu'en vieillissant, on déménage dans plus petit, on la respecte là-dedans dans son choix, c'est moins d'entretien, puis c'est correct. Mais ma mère, comme probablement toutes les mères, un petit peu en vieillissant, ils ont peur que l'espèce de patrimoine familial se perde. Puis pour les parents, le patrimoine familial, c'est toutes les photos qu'ils amassent dans une vie puis les vidéos de leurs enfants. Moi, j'ai dit à ma mère, je veux pas que tu t'en fasses avec ça, je vais m'en occuper. Puis ça donne bien, j'ai des techniciens, je vais tout prendre ça, je vais leur donner ça, puis ils vont faire des copies, puis tout ça, puis on va protéger ça. Mais eux autres, par exemple, quand je les ai donné ça, ils sont amusés à faire des petits montages. Alors, ça vous tarde, on va regarder un petit montage ensemble. C'est ça. Oh, c'est mon Mustang, mon premier Sierra Banane. C'est moi. Oh, je viens de la Beauce. À cette heure-là, oui, je reconnais la voisine de la maison, mais j'ai jamais été déguisé de même. Oh non, pas cette année-là. Ouais, cette année-là, j'en ai eu des bonbons. Elle m'appelle en gros. Hey, on tire à l'arc, j'étais bon. Mais mon chum, maudit qu'il était peureux, lui. Tiens. Mais pour être bon de même, t'as pas le choix. Y a pas de secret, faut que tu pratiques. Hein? Oh, Vanessa, c'était ma petite voisine. On joue au docteur dans le petit bois en arrière de chez nous. Mais moi, j'étais plus que docteur. J'étais en avance sur mon temps. J'étais un genre de chirurgien esthétique. Ah ouais, la grande, viens, ouais, bouteille. C'est où ça? C'est quand ça? Hey, Chris, arrête ça, là. Arrête ça, c'est pas drôle, ça.
Ouais. C'est drôle, mais quand je revois des images de mon enfance ou quand je repense à mon enfance, il y a comme une nostalgie qui s'empare de moi. J'ai sincèrement peur pour les jeunes d'aujourd'hui. Je n'ai peur qu'ils n'aient pas le privilège d'avoir une belle enfance comme j'ai eu peut-être la chance d'avoir, on va dire, une enfance empreinte de liberté. Non, mais c'est vrai. Peut-être ma génération a été chanceux pour ça, parce qu'aujourd'hui, premièrement, ça a tellement changé. Les familles sont tellement peu nombreuses. Je pense qu'il y en a un par famille. Hey, la moyenne, c'est 0.9. Astille, non, même pas tout un. Puis aujourd'hui, les parents, tu sais, c'est pas parce que anciennement, quand les familles étaient nombreuses, qu'ils voulaient perdre des enfants, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, ils en ont juste un. Ils ont tellement peur de les perdre, ils les surprotègent, puis ils font des tapettes avec ça. Bon, ça va prendre des arguments, hein, avec ça. Non, mais c'est même plus drôle, là, tu sais. Hey, on parle de ma génération. Ma mère, moi, quand elle faisait des hamburgers, elle faisait des gelées, c'était caché 3 jours sur le comptoir, face au soleil. Hein, aujourd'hui, ils ont même plus de toucher une poignée de porte sans mettre du purel. Ils ont plus de toucher à rien. Ils ont peur à tout. Ils ont peur de poigner tout. Hey, vous lui mettez de la 60 pour aller se coiner. À un moment donné, ils crisent à paix, là. Hey, ben, tu vois ça? Ils en savent pas de tout qui poigne tout. Hey, ils sont hauts de même puis ils cillent. Tu vois ça? Ils cillent. Ils vont prendre l'autobus le matin. Ils font de l'asthme. De l'asthme. Il n'y avait pas ça dans notre temps. Hein? Peut-être un par classe, là. Mais il était pas dur à reconnaître. Il y avait des lunettes pour le battre à récréation. Là, les parents d'aujourd'hui en sont venus à la conclusion que les jeunes d'aujourd'hui feraient de l'asthme, seraient de la faute du tapis. Tapis. Depuis de tapis. Tu sais, tu vois ça, du tapis. Des musées, il n'y a plus de tapis. Hey, on a été élevés dans le tapis. On stylerait en sacrifice, nous autres. Hey, mes stars étaient en tapis dans ma chambre. Tout en tapis. Voyons donc. Hey, quand je te rends, plus ton salaire était haut, plus ton tapis était long. Hey, puis on a connu des bonnes années. Mon père avait un bon emploi. On a eu du tapis Turquie. Connais-tu ça, du Turquie? Êtes-vous là, si vous parle, là? Wow! C'est comme du shaggy, là. Les jeunes me regardent, tapis. Vous irez au musée, il y en a à quelque part, là, oui. C'est long de même, du tapis Turquie. Puis quand tu le brosses d'un bord, il n'y a pas la même couleur de l'autre bord. Hein, madame, c'est ça, du Turquie. Et hey, puis quand il venait de la visite, ma mère voulait qu'il y ait toute la même couleur. Oh, 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 oh. Hey, j'aimais mieux aller faire les foins chez mes chums cultivateurs. Que passer la balayeuse là-dessus, hey, c'était pas drôle. Fallait partir de la maison à grandeur. Fallait partir dans le coin gauche avec la vieille Electrolux bien à côté dans le coin, puis on faisait un rang. Il n'y avait pas d'affaire de remonter de main. Non, non, si tu relèves ça, on part un autre rang. Le dernier rang, on marchait sur le mur. Le tapis, voyons donc. Hey, j'ai envie de vous conter de quoi. Ça, ça n'a pas de bon sens. Et nous, ça va lui rappeler des souvenirs. Ils ont peut-être eu un père qui fuckait un peu comme le mien. Hey, on a eu un Econoline en tapis, nous autres. Vous savez, c'est quoi? Une Chevy van, là, tu sais. Ça n'avait pas de bon sens. Le père, il avait mis du tapis à grand, là, là-dedans. Il a fait des trous dans le tapis, mettre des fenêtres d'un côté. Imagines-tu? Le dash est en tapis. Ma soeur est en tapis. Là, hey, ça n'a pas de bon sens. On perd toute la famille, mais donc, on va pas moyen. Toute la famille pour aller à Sherbrooke. C'est à peu près 1h15 de mon village, Lac de Relais, on va dire. 1h15, ça, c'est mon père. Ma mère, ça, on couchait en mondain. On... là, je vous dis tout de suite, moi, j'ai eu la meilleure maman qu'un enfant peut rêver d'avoir. Puis c'est sincère, c'est vrai. Mais c'est pas ma mère en particulier. C'est une génération de mères. Madame, ça va vous rappeler des souvenirs. Hey, aujourd'hui, une mère ferait ça. Bon, la DPJ, l'FBI, les hélicoptères. Le comité des mères en chaleur fera un esti de meeting, t'as vu. On partait de la famille avec les Conolines en tapis à grandeur. Puis en montant, mon père fume un paquet de cigarettes tranquillement. Et ma mère s'assurait à ce que personne ouvre une fenêtre. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, les mères, ils ont bien peur de ça, la fumée secondaire, pis ça. Dans le temps, c'était pas ça. Non, c'était la fraîche d'un coup. Ils nous ont-tu fait peur avec le style de fraîche d'un coup? Hein? Hein, ils disaient qu'on pouvait paralyser de la face. Hein, moi, quelqu'un me parlait trop pas. De Christ, t'es malade, pensais que c'était de la fraîche. Hein, on voyait du monde avec des convertis. On disait, c'est des styles de malade, ils ont fou le fraîche d'un coup. Fait qu'on fumait avec pain, c'est ce que je te dis.
Non, mais ça, je vous le dis, je suis triste. Hein, nous autres, on jouait tout le temps au hockey, au baseball dans la rue quand on venait de l'école. Ma mère, quand elle voulait nous punir, elle nous rentrait dans la maison. À ce temps, si tu veux te punir, sors-les. Oh. 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 T'as même pas besoin de le surveiller, il va rester là, il a assez peur. Bon, on arrête de niaiser. Il y a du bruit dans l'arbre. Il y a l'affaire qui fait cuit-cuit. Tabarnak. Ah non, c'est pas drôle, si. Hey, il joue à des jeux à cette heure, ça a-tu l'air assez réaliste? As-tu vu ça? Hey, comment tu appelles ça, les Xbox, ces affaires-là? Je suis même pas à date là-dedans, je suis mauvais là-dedans. Mais tu regardes les boxeurs, on jurait qu'ils sont vrais, il y a du sang, ils revoient dans la maison, c'est vrai. Puis c'est cœur de jouer à ça. Même tu joues deux, trois shots, ah, c'est plat, j'en veux un autre jeu. Ben, nous autres, nous autres. Esti, l'année, moi, je me rappellerai tout le temps, moi, ma soeur, on a eu ça à Noël. Quand j'ai reçu ça, j'ai dit, je sais pas où va arrêter la technologie. Et non, ce n'est pas le Atari. Le Light Bright. Hey, on a capoté. On n'en revenait pas. C'est un globe, 40 ou 60 watts, tout dépendant. Avec une feuille, tu transperçais ça, puis le petit chaud venait rond, rouge ou bleu. On capotait. Là, oh. Moi, je n'ai pas joué tout de suite avec. Je la regardais. T'as rien de suite, hein? Voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. On mangeait de la neige pour être heureux. Si, c'est mon sport d'hiver. Je mangeais de la neige avec mes mitaines. Vous mangez de la neige, vous autres? Hein? Alors, je veux pas faire mon frais, mais j'étais tout un mangeur de neige. Je mangeais l'entrée chez nous, mais radeau troisième voisin. Ah, puis j'étais pas regardant. Je mangeais même la jaune. Ouais. Ça donne du goût, ça donne du goût. Alors, c'est triste, ils vont plus dehors. Hey, d'où peut avoir ça, des carrés de sable, hein? Bon, ça même pas, c'est carré, puis il y a du sable, un carré de sable. On croit que ça, nous autres, quand on a, vous avez plus ça, vous autres, hein? Carré de sable. Non, ça marche plus pantoute. On a-tu eu du fun avec ça? On le mangeait, mon petit carré de sable. Mon père, il en remettait à tous les semaines, Nick, il en mettait un pick-up, il mettait ça, il en remettait, je le mangeais. Ma mère, encore ma mère, là, je rentrais dans la maison, puis j'avais un petit pinch de sable. Là, elle disait, ça, c'est bon pour la santé. Il y a du fer là-dedans. Moi, je savais qu'il y a de la roche, le fer, ça va pas prendre. Mais c'est pas évident, manger un carré de sable, des fois, on se fait jouer des tours, on pognait des corrodates à travers. Le petit chat de la voisine, hein? Félix, crise de chat, pas de médaille. Elle va pas manger notre haïtien, elle vient pas chier à mon carré de sable. Non, mais ça a changé. Ouais. Ça a changé, c'est plus pareil. Aujourd'hui, les jeunes, écoute, ils se virent une cheville, ils vont passer une semaine à l'hôpital, puis c'est pas drôle, puis ils ont de la peine, ça va pas bien. Hey, nous autres, pour rentrer avant l'heure du souper dans la maison, là, hey, ça prenait une raison, là. On commençait à peu près une fracture ouverte. Fallait voir là sorti un peu, là. Puis si ma mère venait de laver le plancher, fallait pas trop que ça saigne non plus, là. Reste un peu sa galerie, là, ça. Ça va galer. Mais les jeunes, t'as bien rendu momoune. T'as-tu vu les nouveaux pères qu'on a? Et Chris. Là, c'est plus le fun, là. C'est plus drôle. Là. Tu sais les nouveaux pères? Tabarnak. Hein? Hein? Ils attendent juste la pelule pour avoir des montées de lait. Ils attendent ça, l'autre, là. Asti, ils lisent des livres pour être pire. Voyons donc, t'es le pire, asti. Regarde dans tes shorts, Chris, t'es le pire. Voyons donc. On revient pas. Hey, ils sont là, Star. Raconte-moi ta journée. Veux-tu un petit prout de bédem? Hey, Chris Zappé, il y a 22 ans, c'ti. Hey, ma génération, nos pères, hein? Hi. Les proutes de bédène, c'est... T'en as, ouais, c'est ça, t'as une bine, c'est une bine. Quand il était heureux, une bine, mais il était en maudit, c'était une bine. Ça dépendait de l'intensité, tu sais, là, tu savais, c'était... T'avais été fin ou pas fin.
Bon, on se demandait pas c'était qui le pire. Hein? Le pire, c'est lui quand tu rentrais, celui qui avait la face de pire. Il y avait des faces de pire. Tout le temps prêt de sauter à la gorge, c'est lui qui était là. Mais il m'aimait quand même, mon père. Ma mère me l'avait dit. Ah, je n'ai pas ça. Hey, t'aviez-vous ça à Laval? Les dimanches après-midi, la raide de machines en famille. Ça, c'était le bon temps. On avait de la liberté, de la latitude. C'était le fun d'aller en char, en machine. Il n'y avait pas de ceinture, de cible, de ça. On courait dans le char. Hein? On avait du fun. On voyait des Beatles, bin jaune, bin verte. La rouge, c'était un coup de genou en face à ma soeur. Quand on était brûlés de se battre dans le char, on dormait au ski Kleenex en arrière, là, la ville. Hey, les jeunes aujourd'hui, hein? Ils doivent aimer ça à la machine, eux autres, hein? Pauvre petit. T'as-tu vu les sièges de bébé? Il n'y a plus de fun là, là. C'est la NASA qui fait ça, cette siège-là. Hey, ils sont laminés dans le char, manque de main. Mais nous autres, au Laval, Québec, à manque de main. Ils sont strappés aux 3 pouces, c'ti. Ils ont de l'air des pilotes de F-18, tu vois? Le seul loisir qu'ils ont peuvent baver, c'est tout. Ah, il y a le char peut faire 400 tonneaux aussi, perte totale. Jacob, il écoute son film. Ça va arrêter, je m'arrête. Hein? Attendez-vous ça. Voyons, on a-tu un problème, les gars? Coucou. Oui, Peter. Ouais. Oui, Mathieu vient de me dire qu'un problème avec son kit d'éclairage puis de vidéo, là, ça fait n'importe quoi. Il connaît quelqu'un de même. Là, qu'est-ce qu'on fait, hein? Ben, on essaie de réparer ça le plus vite possible. Va-t'en dans la lumière, là, je pense qu'il y a de la lumière un peu sur ta gauche. C'est con. T'es-tu surpris que ça arrive aujourd'hui, toi? Pas pantoute. Si, je vous emmenais de marde. Non, moi, là, je suis pas hypocrite, Laval. Live. Non, mais sérieux, je suis pas hypocrite. Moi, je suis heureux d'être ici, je suis vraiment content, mais je n'étais pas convaincu qu'on a réussi à faire un show à soir. Tu sais, il y a des journées de marde. Tu sais, une journée de marde, on va se dire vraies affaires, on va arrêter de niaiser. Là. Ça vous arrive, vous autres aussi, à Laval, votre journée de marde? Oui! Hey, merci beaucoup. Ça en est une aujourd'hui. Hey, on va m'asseoir, on va attendre qu'il répare ça. Il ne devrait pas être là. Y a-tu un code? Il avait mis ça ici. Il y a un couleur dans ça. Hey! 2 petites billes de ça. C'était pour les techniciens. Hein? Bon, la marde. Bon. C'est quelqu'un qui en veut une? Veux-tu une, toi? T'es un peu. T'es pas tout scap, ça. Es-tu mon lettre? C'est quoi ton nom? Steve? T'es-tu le Laval live, toi? Hein? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Hein? Ouais! Steve de Laval. C'est-tu vrai? Tu restes ici? T'es pas en banlieue, rien, pas tout? Laval. Non, hein. Jaser, je sais pas, dis-moi, je vais checker mon décor. Non, mais une journée de marde. C'est comme une belle journée, mais à l'inverse. Hein? Non, mais tu sais, une belle journée, tu te réveilles le matin, tu te sens bien. Tu te sens, tu arrives dans le miroir, tes petites pommettes roux, hein, roses un peu. Tu te fais des feintes devant le miroir, tu fais des lip-syncs avec la brosse à cheveux. Vous faites pas ça, ça? Ça va bien. Non, mais on le sent, ça va bien. Mais une journée de marde, c'est ça, mais à l'inverse, la style de marde. Tu te réveilles, pis ça sent la marde, c'est de la marde. T'arrives devant le miroir. Tu sais, moi, dans la vie, je me considère pas comme un gobo. Mais ça, il y a des matins que c'est pire. Hein? T'arrives devant le miroir, tu fais ah, non. Tabarnak. Asti, chulette, Chris. Steve, ça doit t'arriver, toi aussi, hein? Santé, mon Dieu. Non, mais c'est vrai, là, on se trouve là. Fait que vu qu'on est là, on se trouve blême.
Là, vu que t'es blême, tu trouves tes dents rondes. Hey, on est-tu lettre quand on se regarde les dents dans le miroir, hein? On dirait un poney, c'est. Ce bouton-là, il était pas là. Moi, je pensais là qu'on aurait se recoucher et arrêter la marde tout de suite. Mais non, on reste debout et on fait de la marde la journée. C'est ça qui arrive. Essaye pas de me convaincre. Quand c'est une journée de marde, c'est de la marde. C'est vrai. Tu sais, quand t'as une carrière publique, ça, c'est plate. Bon, t'as pas le droit à une journée de marde. Mais non, c'est. Mais non, t'es un comique, toi. T'es drôle. Moi, mes chums, s'ils filent pas, ils m'appellent. Hein? Moi, je dis que je file pas, ils vont faire. T'es con. Quand t'as une carrière publique, en plus, c'est le monde, ils pensent que t'as une vie, hey, show business, ta vie, toi, c'est incroyable, t'as une vie de show business, ta vie, elle est... Ouh. Ouais, une petite vie, moi, je capote. Ouais. Une petite vie, moi, ouais, 40 ans, si je suis encore tout seul, j'ai pas d'enfant. La semaine, j'écoute des films dans le sol, en pyjama, en flattant mes calices de show. Une petite vie de marde de Chris. Ah non, c'est con. Je sais pas, j'ai un gros nez. J'ai un gros nez. Regarde, fais ça de main. Si tu le vois, là. Et Chris. Ouais, tu le vois, hein. Non, non, moi, c'est surveillé. Quand tu le vois de main, puis une petite main. Ça, c'est cave en tabarnak. Gros Chris de nez, puis une petite main tabarnak. J'ai l'air d'une mascotte pas finie, Chris. Mais, j'ai une petite graine par là. Une petite chaffe, c'est l'enfer. Là, arrêtez de rire, là. Ça fait mal à tout le monde avec ça. Tout le monde, c'est peut-être un. Tantôt, c'était fine. Hein? Non, mais c'est de la merde. C'est tout est de la merde. Quand on dit que la merde, c'est de la merde. Tu sais, comme l'amour, c'est de la merde. Le bonheur, c'est de la merde. Si, c'est le bonheur. C'est de la merde, certain. C'est quoi, il y a rien que les enfants et les imbéciles qui sont heureux? S'il y en a d'heureux ici, vous êtes ces pelules, Chris, là, au coin, là. C'est tout de la merde. Là, il y en a qui vont dire, Pete, tu devrais te relaxer un peu, là. Tu devrais te rapprocher de la nature, ça te ferait du bien. Ouais, ouais. 99,9% du monde à Laval, la nature égale un chalet. Asti chalet de marde, Chris. Allez me faire piquer par des mouches la fin de semaine. Va donc chier, toi, ta maman. Hey, toute la marde, t'as qu'une maison, tu l'endouves. C'est le fun d'aller tourner la pelouse la fin de semaine ailleurs. Fun en Asti, ça. Hein? Asti chalet, t'en vas là le vendredi après-midi dans le gros trafic, t'es tout le temps sacrément. Là, tu te prépares la semaine, tu loads le char, t'es rendu avec un Big Mac sur le top pour être sûr d'emmener plus de marde aux crises de chalet. Quand t'arrives au chalet, les portes se vident, tout le monde sac le camp, t'es tout seul pour vider la petite char de merde. Là, après ça, faut-tu aller faire une épicerie, mais avant de mettre ça dans le frigidaire, faut-tu trouves qu'est-ce qui pue, Chris? Ça fait deux semaines, t'es pas allé, là. Fait quand t'as fini de te préparer à ta fin de semaine de journée de merde qui te reste de vacances, à 11h le soir, à moitié mort, tu te débouches une petite bière. D'habitude, à ce moment précis, il y a une petite voix qui apparaît ici. Puis... souvent, la petite voix va avoir une permanente. On devrait aller se coucher si on veut planter des fleurs demain. Hein? La petite chalet de marde. T'oses plus sortir dehors le soir au chalet parce qu'un voisin, quand il te voit, il arrive avec sa guitare. La petite polpichée des pauvres de calvaire. T'as rien le goût de pogner à la guitare, puis il crissait dans la face, puis il a pété dans le feu après. Bon, on n'a plus le droit de faire de feu. Ah, c'est de la merde. C'est tout de la merde. L'amour, c'est tout de la merde. L'amitié. Une chance qu'on a nos amis, par exemple. Hein? Oui! OK, vous avez pas compris le principe. C'est de la merde, Chris. C'est tout de la merde. Les amis, c'est pire. Ah, les miens, ah, c'est de la merde. Ça, c'est les pires crosseurs d'abuseurs, là. D'opportuniste, de manger une marde d'amis. J'ai haï ça des amis, moi, ça m'écœure. Quand tu fais un party, ils sont là, hein? Quand tu déménages, ils ont l'afficheur à tes estis d'amis, hein? Puis quand tu fais un souper, ça arrive tout le temps une demi-heure avant, t'as passé la journée à préparer ça.
Pierre avec une petite bouteille de rosé. Hey, mais ça au frais! Le style de rosé de marde de Christ. Le style de vin de tapette d'ambigu sexuel. Aïe, ça, du rosé. Qu'est-ce que moi, Apex? Quoi, ça, du rosé? Quoi, c'est qu'il y a de là-dedans? Hein? C'est du blanc de la grenadine? C'est quoi, ça? C'est tout de la merde, là. Puis ton meilleur ami, quand ça file pas, t'appelles ça. Hey, gros, on va-tu prendre bien? J'ai besoin de parler. Je vais checker mon agenda. Ouais, va donc chier. Je vais demander à Nicole, ça veut. C'est plus ça. Ouais. Au moins, on est libre. Une chance qu'on est libre, par exemple. Hein? Il dit oui. Mais ça, vous êtes libre. Arrête de faire tes paiements pendant 2 ans. Ouais, tu vas capoter. Tu vas capoter comment t'es libre. Tu vas être en prison, honesty. On n'a plus le droit de rien faire. On n'a plus le droit de rien dire. Il y a tellement de lois. On ne peut plus rien faire. Hein? Si, je t'en viens d'étouffer, mon homme. On n'a plus le droit de rien faire. Faut s'attacher à notre auto. Hey, parenthèse. S'attacher à notre auto, vous êtes d'accord que c'est mieux. Hein? C'est mieux? Parfait. On est d'accord. Mais que je sois obligé. C'est ma vie, ça. Moi, si lors de l'impact, je vais me péter la face dans le steering. Ça, c'est personnel, ça. Puis, mettons, moi, quand je vois arriver la vanne ou l'arbre, si j'aime mieux pas rester en char. J'ai pas le droit, si, j'ai pas le droit. Reste là, puis attache-toi, si. Voyons donc, oui, ça me fait chier. Fait qu'on s'attache en auto, on met un casque en moto, on roule à 100, mais le char va à 200. Plus de doigts de fumer dedans, plus de doigts de fumer dehors, si on est trop proche dans dedans, t'es à barnaque. On a un chier, le gars, libre. On est pas libre de rien, on peut plus rien faire. Là, vous avez peut-être dit qu'il faudrait que je relaxe, hein? Ouais, par exemple, c'est de la merde, la relaxation. Mais ça me fait rire parce qu'en vieillissant, on réalise que la relaxation, c'est très différent pour les hommes et les femmes. Hein? Vous autres, les filles, là, vous mettez pas de même. Tu sais, nous autres, les gars, c'est pas compliqué de relaxer. Il y en a une gang ici, t'asseoir, je suis certain qu'ils sont en train de relaxer. Et personnellement, je suis très heureux d'être là, mais je relaxe. Moi, je relaxe. Hein? D'autres, n'importe où. Mais les femmes, oh, 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 oh. Ça se met pas à relaxer de main. On va s'asseoir puis on va le planifier. On relaxera entre telle date et telle date. Puis vous relaxez pas bénévole non plus, hein, les filles? Hein? Vous relaxez bien mieux quand ça coûte 400-500$, hein? Faut prendre des petits bains d'algues, des petits bains de boîte. Mais c'est bizarre parce qu'au chalet, ils veulent pas se baigner parce qu'il y a de la boîte puis des algues, calis. Hein? Nous autres, les gars, relaxés, c'est pas compliqué. Un somme sur le divan, dimanche après-midi, ça, c'est réparateur! Hé, yeah! Hey, essaye de faire un somme quand t'as une blonde! Hé, hey, t'as... Tu fais que t'as 14 têtes sur le divan, ça arrive, ça. Vu que tu fais rien, je t'ai fait une liste. OK, je fais pas rien, je dors! Bon, mais je vais changer de poste. Change pas de poste, mais tu n'écoutes pas le baseball. Il n'y a pas un petit gars qui l'écoute, le baseball. C'est un faux sonore, cadeau d'or! Ouais. Mais au moins, il nous reste la vie. Non, la vie, c'est pas de la merde, mais de la façon qu'on la vit, c'est destinement de merde. On est con, l'être humain, en général. On vit pour plus tard. On profite pas du moment présent. On travaille comme des caves. Pour plus tard, faire comme des annonces, Liberté 65, on s'achète un voilier puis on part à l'aventure. Ça a été ça, ton rang de vie. T'as rien fait de ta vie puis t'as attendu à 65. Hein? Check bien ça. À 65 ans, le premier coup de vent, tu vas te péter la colonne sur ton voilier. Ouais. Puis après ça, on vieillit. On chie nos culottes puis on meurt. J'ai résumé le dernier bout, là, mais c'est... Puis là, le monde vient de nous voir d'une boîte de bois, ils font « Hey, c'est un bon gars. Faut donc chier, tu me dois de l'argent, toi. » Puis là, ils mettent notre photo dans le journal, puis... Laisse dans le deuil, il y a le cousin, cousine, le chat, puis le chien, puis...
Mais là, j'ai pogné de quoi dernièrement? J'ai remarqué quand quelqu'un meurt du show business, souvent ils vont faire un hommage télévisé. Mais là, il y a une crosse. J'ai vu ça dernièrement. Il y a quelqu'un du show business qui est décédé l'été passé, genre à 8h30, 9h le matin. À 9h30, 10h, il y avait un hommage de près d'une heure. Interprète, l'hommage. Interprète. Puis ça me fait chier de penser qu'il y a peut-être quelqu'un dans la télé qui ramasse des images au cas où qu'il m'arrive de quoi. Ils vont partir ça avec une musique triste. Ça me fait chier. Ils ne me connaissent même pas comme personne. Si, ils ont vu des entrevues, c'était là. Ça me fait chier. Fait que... J'ai décidé de prendre les devants. Je me suis fait mon propre hommage. Fait qu'en attendant, mes amis, moi, je vais aller me faire un refill de bière ou finir celle-là. Je vous invite à regarder mon hommage. Toute sa vie, qui fait que quand elle est décédée, pour l'honorer, on l'a enterré de Tupperware. Et puis vous me croirez pas, on vient juste de la redéterrer, c'est encore croustillant. Quelque chose. C'était pour vous dire que sur la Terre, on est là juste en attendant. On est vraiment là juste en attendant. Puis tant qu'on est là, on est bien mieux de prendre ça en riant. Je sais pas vous autres, mais il me semble que j'aurais aimé ça naître dans l'ancien temps. Vous autres? Oui! Mais ça, c'est le bon temps. Même si le monde était moins intelligent. T'es qui, là? T'es pas vite, là, dans ce temps-là. Là. Il manquait une coupe de 25 cents pour faire une pièce, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, le monde est bien plus intelligent. Hein? La preuve, on a des ingénieurs. Je sens du sarcasme dans votre rire. C'est quoi, vous pensez au viaduc, là? Arrêtez de capoter avec ça, ils l'ont dit, c'est plus dangereux. Ils nous ont rassurés, la population. Mais remarquez, même s'ils nous ont rassurés, ces autoroutes, c'est rendu rare de voir une police faire du radar en dessous de ça, hein? Ah, imagine-tu les gens de l'ancien temps, t'es prends, t'es ramènes aujourd'hui avec la technologie d'aujourd'hui. Hein? Hein? Ils capoteraient. Hey, on a des satellites, essaye d'expliquer ça avec quelqu'un qui fait 100 ans qui est mort. Imagine-tu, toi? Juste un micro-ondes, il fait... Là, tu lui dis qu'il y a des satellites dans l'espace qui sont capables, des satellites GPS qui peuvent lire ta plaque d'immatriculation en roulant. Il y a des satellites météo. Ils peuvent te dire ce qu'ils vont faire demain, après-demain, dans un mois. Non, mais ça existe, ce satellite-là. Ce sera le fun de Météo-Média, ça en achète un, hein? De ce petit poste de cave. Ah, ils me font assez chier, eux autres. Là. Ils me font, ils me lèvent la nuit pour me faire chier, crébin.
Non, mais c'est quoi, ce poste-là? C'est quoi? Ils savent pas, là, maintenant. Comment ça fait d'été qu'ils nous scrapent? Hey, au début de l'été, ils ont fait un gros reportage, ils disaient qu'il allait mouiller toute l'été. Si, il a manqué d'air. Il a pas mouillé une journée. Puis les autres étés, les trois autres d'avant, ils annonçaient une belle journée, mais ils leur poussaient toute l'été. Hey, là, ils sont rendus qu'ils annoncent soleil, pluie, nuage. On va l'avoir, à un moment donné, là. Ils font capoter. Puis là, tu quand t'as besoin de ça, mais t'es au média, t'en vas en char, t'en vas en avion, t'en vas en bateau, t'en vas pas de marche. Tu vas checker, qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est une annonce de pollen, de claritin, de sacrament. Puis là, il y a des annonces tout le temps. Non, mais à la limite, le pollen, c'est bon, le pollen peut être pratique, tu sais, je suis allergique, je sais pas. Mais j'ai quand même perdu 10 minutes de ma vie dernièrement. Il expliquait l'heure à laquelle la rosée allait se lever. Admettons qu'un matin, elle se lève pas, hein? Vas-tu canceller tes affaires, toi? Tu? C'est des caves, ils sont caves. Puis ils savent pas. La météo, tu le sais pas. On le sait pas. C'est, ils sont là avec le baguette, Steve. Ils savent pas. Au moins, ils se mettaient un petit vieux qui fait de l'arthrite, on s'arrête pour mouiller. Ah! S'il est droite, c'est un front chaud. S'il est croche, c'est un front frais. Ouais. Mais la technologie, si ça a des avantages, ça a des inconvénients, c'est certain, mais c'est pas évident. T'sais, juste demain pour voir qu'on est rendu avec la technologie, combien de télé vous avez chez vous, juste demain? Chris, il cherche, imagines-tu? Comment? Tu niaises, 20 TV? Des TV, des télé. Deux? OK, compris une vingtaine, m'en faites pas, là. Toi, monsieur, combien? Trois, toi? Cinq? Hein, c'est sa femme qui compte pour lui, c'est bon. Mais c'est ça, on est rendu, c'est ça la technologie. Combien de postes que vous écoutez, mettons? Ouais, c'est ça qu'il y a, les gars, hein, c'est deux postes. Là, vous êtes tous avec vos femmes, ça veut dire que vous avez un poste de plus. Vous avez le poste des compromis, hein? Je peux même vous dire c'est quoi. J'ai joué une blonde, c'est quoi, là? Canal Vie, oui, madame. Je peux même vous dire ce qu'elle vous oblige à écouter. Décor ta calice de vie plate. Maudite émission. C'est une émission pour vous autres, les filles. Sacrez-nous un peu avec ça. Les gars, ils ont 4-5 TV, ils pourraient aller écouter d'autres choses. Non, les femmes, vous n'êtes pas capables d'écouter ça tout seul. Ça vous prend un innocent qui s'endort à côté. Tout ça pour dans un mois avoir une petite pipe, puis c'est pas fait, les gars. Vous êtes bien mieux d'enregistrer, c'est pas là, ben vous allez sacher avec votre pipe de l'heure, ouais. Bon, là, s'il y a des jeunes hommes dans la salle qui n'ont pas encore cohabité avec une fille, ils n'ont aucune idée c'est quoi le décor de ta vie. Esti, t'écoutes pas ça de même à jeun, là. Je vais leur expliquer vite, c'est quoi le concept de l'émission. C'est une émission américaine reprise au Québec, mais avec les budgets du Québec. Hey, c'est gênant, ça, c'est gênant. Il arrive chez vous avec la prétention de refaire une pièce de la maison avec 1 000 $. 1 000 $. Les gars, les filles, on a tout rénové. Qu'est-ce que tu veux aller chier avec 1 000 $ en rénovation? Hein? Un bon marteau pour un sac à clous, c'est 1 100 $. Puis là, on s'entend que c'est ta blonde qui a écrit cette émission-là. Il n'y a pas un gars normal, hétérosexuel, qui va faire ça. Là, c'est ta blonde qui fait une surprise. Là, à un moment donné, ça cogne à la porte. C'est l'animatrice qui vient t'annoncer que t'as gagné. Ta blonde, elle saute ça d'eau. Toi, t'es pas sûr. T'es ambigu un peu dans ton émotion. Puis souvent, l'animatrice, elle amène avec elle un designer, communément appelé dans le milieu une tapette. Ouais. Puis lui, il prend les devants en arrivant, il est fourrelle. Vous allez voir, on va mettre de la vie dans cette maison-là. On va faire de la couleur, de la créativité, puis on va recycler à partir de choses que vous avez déjà. Allez-vous-en toutes les deux, on s'occupe de tout. Tourlou. Fait que là, tu t'en vas avec ta blonde, mais tu dois pas partir longtemps. C'est 1 000 $ qu'ils mettent. Là, un moment donné, t'invite à revenir, j'imagine, c'est le dénouement de la pièce. Puis là, faut que tu te prépares une face. T'sais, ça passe à la TV pareil, ça. Puis là, tu sais que tous tes chums qui ont de blonde, ils écoutent ça. Fait que là, la folle est là.
Vous pouvez regarder. Ouais. T'aimes-tu ça, toi, Minou? Hein? Parle-leur. Je sais pas quoi dire, là. Elle doit s'en peinturer, ça, quand même. Elle va prendre du primeur, ça va. Qu'est-ce que c'est qu'il a mis autour de la fenêtre du salon, lui, de maman? OK, c'est mes bobettes! Oui! Je les ai trouvées dans ma linge. On en a trouvé d'autres dans les tiroirs. On les a cousus ensemble, on les a tendus la même couleur. Puis je vous ai fait deux petites balances. T'as fait des balances avec mes shorts, toi. Qu'est-ce que t'as fait au chat, toi, Chris? On l'a vidé, puis on a fait un pouf. T'as vidé le chat, OK. C'est le chat des enfants, c'ti. Il était pas propre, mais il ronronnait encore bien, c'ti, le chat. Mais c'est ça, la technologie. Il n'y a plus de bout. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Mais au moins, ça a amené l'être humain à se dépasser. Et grâce à ça, on est rendu avec des grands penseurs dans ce bon monde. On est rendu avec des philosophes, des psychologues, des sexologues. Et c'est grâce à eux, si enfin, on a trouvé la recette pour que ça fonctionne. Enfin, les hommes et les femmes. Laval, vous n'êtes pas au courant? Chris, vous êtes où, vous autres? Si, c'est quoi, là? C'est là, mais Laval, c'est ça, mais là... C'est la communication! Bon, il allume! Arrêtez de niaiser, là! C'est la base même pour que ça fonctionne! Moi, depuis que je communique, je suis seul. Ouais. Hey, maudite communication à la marde. Il me semble depuis qu'on se parle, elle marche pas pantoute. Hein? Hey, mes grands-parents, 50 ans d'amour, de respect, pas un esti de mot. Hein? Peut-être ça aussi, le secret. Hein? Ferme-la, ta gueule, t'es carré. Ouais, mais j'ai une émotion. Fourre-toi dans le cul, celle-là. Hey, mes grands-parents, 50 ans d'amour, de respect, de loyauté. Hey, je pense qu'ils sont parlé deux fois. Deux fois! Au mariage, grand-père il a dit « Oui, je le veux. » Puis soir, la nuit de noces, grand-mère a dit « Non, mais pas ça, là. » En parlant de grand-mère, mais pas ça, là, les femmes de ces générations-là, ils l'ont pas eu facile pour plein de raisons. Le statut de la femme à ce moment-là, ils travaillaient fort, c'était pas facile, il n'y avait pas de technologie qu'on a aujourd'hui. Et pour ce qui est de le problème de femme, on va dire une fois par mois « Hear her ». Il n'y avait pas de chouette, hein? Vous savez de quoi je parle? Pour votre hygiène nounale. Vous appelez pas ça comme ça, vous? Non, mais il n'y avait pas de chouette. Aujourd'hui, les filles, tabarnak, que c'est ça? Vous avez une rangée au complet à l'épicerie. Une rangée. Tu sais, la petite rangée, les gars, qu'on n'ose pas regarder à gauche, on est là. Si c'était pas que les chips étaient au bout, à droite, on passerait pas là. Si, on n'a pas besoin de ça. On a. Hein? Hey, là, deux semaines, je vais faire mon épicerie vers un lundi. Là, comme d'habitude, j'arrive dans ce rang-là, puis je me dépêche de chez les chips. À un moment donné, j'ai fait Chris, y'a personne, je suis seul. Va toujours bien à regarder qu'est-ce que vous vous mettez là, vous autres. C'est intriguant pour nous autres, les gars. Hey, vous avez échoué. Comment vous faites savoir que ça prend ça plutôt que ça? Si moi, il y a un mur au complet. Barnet, comment vous faites? Hey, ça commence au début avec les tampons. Ah, style, une vu des longs de même. C'est quoi? C'est quand tu saignes du nez, ça crée? C'est quoi? Il y a des couleurs! Il y a des couleurs là-dedans! Hey, puis là, je pense que le premier qu'ils ont inventé, c'est le Tampax. Je pense que ça vient de là. En tout cas, ils commencent avec celle-là, le Tampax Original, avec la cartouche éjectable. J'ai tout lu ça à boire, il n'y avait rien à faire. Il dit là-dedans, c'est pas biodégradable, jette ça dans les poubelles, jette pas ça dans les toilettes. Hey, puis t'as des grandeurs, hostie, t'as des grandeurs là-dedans. Le petit, le moyen, est pour la grosse nounou. Ouais. Pis trompe-toi pas, là. Si t'as besoin du gros, pis t'achètes le petit, il va falloir que tu chimes.
Hey, ça n'a pas de bout. Après ça, t'as des serviettes. Ah, j'ai vu des Always, esti, ont des ailes. Hein, esti. Quand ça va bien, en ah oui. Hein. Mais j'avoue que c'est qui m'a impressionné particulièrement. Ah, la grosse Kotex Protege Flip, longue durée, all of the night. Hey, ça, tu peux partir 6-7 mois en vacances avec ça. J'avoue qu'elle avait de l'air confortable. Je n'ai acheté une boîte. Bon, on va revenir à ma grand-mère, puis là, on arrête de niaiser, là. Ma grand-mère, puis elle ne fait pas 200 ans de ça, puis je niaise pas, ils n'avaient pas de choix. C'était des guenilles. Vous avez déjà entendu ça? Chris, des guenilles qui se mettaient. Ils mettaient ça dans un chaudron d'eau bouillante, sur le poêle à bois. Hein? Je ne sais pas comment il y en a-t-il, je sais pas. Mais attention, là. Ma grand-mère, c'est quand même une femme fière. Wow. Elle personnalisait ses guenilles. Elle mettait une branche de sapin dans l'eau bouillante pour l'arôme. Mais des fois, on arrive chez grand-mère, elle marchait un peu bizarre. Elle avait pris trop une grosse branche. Il y a une année à Noël, je ne sais pas ce qu'elle avait fait. S'il n'y a plus une crise de branche dans le sapin. Tu sais, aujourd'hui, tu vas savoir à l'occasion que ta blonde est dans sa semaine particulière parce que des fois, il y a une petite corde qui dépasse. Dans le temps, c'est une guirlande. Ouais. Mais c'est ça, la technologie, ça n'a plus de bout. Hey, aujourd'hui, on passe les chemises à vapeur de même. À vapeur, debout, sur le support. Grand-mère, c'est un fer à cheval. Sur le poêle à bois, ben, elle n'avait pas le bouton où elle push-push. Non! Elle crachait. Pff, pff. Toute sa vie, grand-père portait des chemises qui pètent la gueule, c'ti. Des fois, il arrivait à la job avec une chemise jaune, tout le monde savait que grand-mère avait la grippe. Oh! Mais je sais pas jusqu'à quel point ça nous aide, la technologie. On est rendu moins en moins indépendants puis autonomes. On est rendu, hey, on a des démarreurs à distance. On a des robots qui font nos jobs. Le monde, on dirait qu'ils sont de moins en moins performants puis sont à moitié morts. Hein? Ah, c'est-tu coup brûlé? Je suis en burn-out. Ah, ouais? On a fait deux, moi. Hein, chanceux! Ah, c'est-tu que je suis brûlé? J'ai encore travaillé 37h30 cette semaine. Ah, on a ce petit tapette. Le grand-père faisait ça par jour, quand on lit. Ah, il y a le monde, ils vont se faire griller, t'as vraiment pour avoir des couleurs. Va dehors, s'il meurt des carottes, qu'est-ce que tu as un coup de pied dans le cul, fait quelque chose. Hey, des gars de 25-30 ans, ils se font piquer pour la grippe, ils pognent pareil. Ouais, mais m'étais fait piquer pour Shanghai, je vais pogner Hong Kong. Pis ça, c'est à part les allergies, y'en a-tu à ça, ça? Hein? Juste ici, t'asseoir, je prends une poignée de pinot, j'en tue 4. Tau! Wouh! Merci, hein, mes amis. C'est vraiment, c'est particulier, là, vraiment, pour des captations télé, pour en avoir fait quelques-unes. Merci. Ça me donne un méchant coup de main d'être aussi réceptif. Merci, gang. Merci. Yes. Vous avez vu ça? C'est des blagues. Non, c'est de plus en plus le portrait très réaliste de Montréal. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est pas à moi de juger. Je vais le faire. Mais je vais le faire quand même, hein? Non, parce qu'en vieillissant, je réalise que le Québec, les Québécois, on est du beau monde, on est du bon monde. Peu importe la couleur, je m'en fous. On est ceux qui sont Québécois puis se sentent Québécois.
On est du beau monde. On est du bon monde. On est un beau peuple. Mais... Mais maudit qu'on est mou. Hein? On dit, on est pris avec des vieilles mentalités de campagne, puis je sais de quoi je parle en tabarouette. On a tout un pas de qu'est-ce que les gens vont penser. On a des fois que le monde pense qu'on est raciste. C'est pas raciste de te tenir debout quand quelqu'un te pisse à la tête. On appelle ça une colonne vertébrale. Tu sais, si on est ici, nous, on est trop mou, on met pas notre propre couleur. En tant que Québécois, il y a des gens d'ailleurs qui vont venir puis vont la mettre leur couleur, puis vont vouloir que ce soit autrement que ce qu'on aurait peut-être fait. Mais on veut pas se faire rendre là. Tu sais, comme moi, je connais beaucoup de musulmans, il y a du maudit bon monde là-dedans. Mais dans beaucoup de pays musulmans, c'est-tu vraiment ça qu'on veut vivre? On veut-tu retrouver à vivre ça? C'est ça qu'on veut? Dans beaucoup de pays là-bas, juste qu'est-ce qu'ils font subir aux femmes, c'est incroyable. Une femme mariée qui se fait violer, ils vont la lapider parce qu'elle a trompé son mari. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais là, moi, je suis un comique, tu sais. Moi, je suis là faire rire le monde. Il y a des affaires qu'on trouve moins drôles. Mais je vais quand même essayer de désamorcer ça, ce loi d'imbécile-là. Je vais ramener ça ici au Québec pour les couples du Québec. Mais imaginez quand tu es en couple au Québec, si tu fais surprendre à commettre l'adultère, on te lapide. Oh, Asti, on va manquer de roche. Mais je suis pas raciste, n'ai rien à foutre de la couleur de la religion du monde, on m'en fout de ça. Il y a plein de peuples que j'aime, je sais pas moi, les Suisses. Les petits Suisses, j'aime ça, les petits Suisses. J'en connais pas, Nesti. Quand est-ce que t'as entendu parler qu'il y a un Suisse qui a fait de la marde? Jamais! Puis il nous apporte plein de choses, les Suisses. Le roulé suisse, le couteau suisse, le fromage suisse. Je suis suissophile, tiens. Non, on fait des farces, mais je pense que moi et vous autres, là, nous autres ensemble, on est le peuple. Nous autres, on commence à en avoir plein cul, voir des gens débarquer d'un peu partout pour faire des requêtes qu'ils n'oseraient même pas faire dans leur propre pays. Puis le problème qu'on a ici, puis je veux pas embarquer dans des trucs politiques, c'est pas mon bague, pas en tout, mais je suis pas un con, par exemple. C'est que les gens qui nous représentent, que ce soit au fédéral ou au provincial, c'est des putains. Ces gens-là sont pas là pour nous aider à trouver une identité en tant que peuple. C'est triste parce qu'on dirait qu'ils sont pas là pour nous aider à se trouver une identité en tant que peuple. On dirait qu'ils sont juste là pour se faire réélire. J'aime pas ça. Ça me fait chier. Puis c'est pas non plus parce que j'ai voyagé tant que ça, mais j'ai quand même un peu de culture. Dans n'importe quel pays avant d'y aller, tu sais c'est quoi leur mœurs, c'est quoi leur façon de vivre, leurs habitudes. T'es pas obligé d'y aller, mais tu le sais avant d'y aller. À telle heure tu pries, à telle heure tu fermes ta gueule, à telle heure tu mets ton hijab. Mais t'es pas obligé d'y aller. Pourquoi qu'on fait juste pas la même affaire chez nous? Dire au monde de partout, n'est je vous dis, n'est tripé que nous autres, on est de l'estie de bon monde. Mais par exemple, chez nous, c'est de même, de même, de même. Sinon, on a un dicton au Québec. Décolliste, tabarnak. Ouais. Parce que là, mes amis, il va falloir commencer à se réveiller. On va falloir mettre nos culottes de citoyens, un par un, puis se réveiller. Regardez ce que les musulmans font. Ils attaquent nos monuments. Ils sont rendus à nos cabanes à sucre. Hey! Si on se réveille pas d'une coupe d'années, on va manger des oreilles d'Allah. Puis je sais pas d'ailleurs ce qu'ils ont fait d'une coupe d'années. Ils ont sorti les Québécois pour prier toute la gang. Et tabarne. Si ça avait été à moi, cabane, ils n'auraient pas cru ça, les capines, je vous jure. Après le repas, je leur ai dit, venez-vous-en dehors! On a un autre classique québécois! Venez manger de la marde sans neige! Mais c'est triste, pareil. J'ai de la sympathie pour beaucoup de ces gens-là. Parce que c'est du monde qui a arrêté d'évoluer il y a 2000 ans. Parce que c'est triste parce que c'est un livre qui dicte leur vie. Je pense qu'à partir du moment que tu n'as pas d'autocritique de ta propre existence, tu ne peux pas évoluer de façon, on va dire, normale. Mais où ça devient dangereux, c'est quand tu te mets à interpréter le livre, quand tu changes les virgules. Oh, là, on est dans la merde. Chose, j'ai dit ça. Non, il n'y a pas de ça. Tu fumes trop, arrête. Puis c'est là qu'il arrive avec des super bonnes idées comme, genre, puis vous remarquerez que dans ces espèces de peuples-là, c'est des hommes, les femmes n'ont pratiquement pas le droit de respirer. Il arrive avec des super bonnes idées que pour aider la femme, on devrait la voiler. Hein? On voile pas ça, une femme, hein? C'est super beau, une femme. On la regarde, on la respecte, puis on la laisse aller voter, mon asti de cave. Hein? C'est pour ça qu'on se retrouve. Tu
C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui chez nous ici, puis on se retrouve, il y a des femmes voilées un peu partout dans les rues. Mais les hommes de ces peuples-là font « Oui, mais la femme voilée au Québec, elle grandit, elle s'épanouit, même que dans quelques années, elles vont peut-être conduire des automobiles. » Non. Non, 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 non. Christ, les nôtres commencent à être bonnes, hein? Arrêtez ça, ça me fait trop plaisir, arrêtez ça. Non, on fait des femmes, imaginez pauvre policier ou pauvre policière qui arrête ça, une femme voilée. Christ, elle est de même dans le char. Elle est en état d'arrestation, faut que tu l'identifies. Hey, tu sais, t'arrives vers un char, on dirait un soudeur. Donnez-moi votre permis. Okay, check ça. Mais oui, elle a les yeux bruns. Si on voit ça, ça pourrait être un labrador, je trouve, le char. Mais il n'y a pas juste des musulmans, on a aussi des juifs qui sont particuliers, eux autres ils me font rire en tabarouette. Eux autres aussi, ils sont pas toujours, il y a des super bons juifs là-dedans, mais c'est pas le symbole d'intégration. T'sais, dans beaucoup de rues en majorité juive à Montréal, que les femmes policières n'ont même pas le droit de les arrêter. Ça vous donne une idée à quel point ils s'intègrent bien. Mais ça me fait rire, parce qu'à part le linge, eux autres, là, 2000 ans, pour être différents des autres, ils ont décidé de pas manger de porc. Mais là, on s'entend-tu, là, 2000 ans? Il y en avait un peu, mais il ne pensait pas qu'il évoluerait autant, par exemple, le porc. Hein? Il n'y avait pas de croton. Il n'y avait pas de bacon. Il n'y avait pas de chop de l'or. Hein? Un petit million de porc, dans la moutarde de Dijon, un petit papier d'aluminium. Mais, hein? Certain que ça ferait un meeting dans deux semaines. Non, il serait de Christ. On aurait dû prendre le chien. Hein? Mais tu sais, en général, les Québécois, nous autres, on est catholiques de souche. C'est bien, c'est mal, c'est même pas là le point. Mais pour entrer dans la grande famille de Dieu, le premier sacrement étant le baptême. Hein? Et c'est une journée pas facile pour tous ceux. On se rappelle pas du nom, mais on a tous été dans un baptême. C'est une journée éprouvante pour un petit bébé. Premièrement, tu sors de son univers qui est une crête, où il était tranquille à baver, tranquille. On l'enveloppe d'un sleeping bag en coton, on l'amène dans une église, il y a plein de monde autour de lui, il y a le curé qui arrive avec son haleine de curé, puis fait plein de rituels. Ah, si on brasse, il paraît comme s'il n'y avait plus de lendemain. Mais imaginez pendant ce temps-là, il y a un petit juif. Pour l'inviter à entrer dans sa juiferie, il organise un party, puis il coupe la bisoune d'abord. Hein. Il circoncit. Voyons donc! Qu'est-ce que c'est ça? Imagine-tu? Hey, il en veut plus de party, lui, après ça. C'est fini, là. Hey, ils sont tous là dans la cuisine, ça danse, ça chante. Lui, il est là dans le coin avec sa glacière. Ah! Hey, imagine-tu, nous autres, on braille quand on voit arriver le curé. Imagine le petit, comment on appelle ça, le petit juif qui voit arriver le rabbin avec ses bigoudis et son couteau à Jupra. C'est barbare! Il n'y a pas un homme, une loi de religion sur la tête devrait donner le droit à notre homme de te couper un bisoune. Non, si, touche pas à ça, vieux calice. À 18 ans, si j'en viens à la conclusion qu'il y aura un overflow de peau, je m'en ferai couper. En attendant, touche pas à ça, on est de même, ça vient de même. Vos paupières, vous les laissez là, vous autres? Hey, puis comme c'était passé, on a un juif qui est encore plus straight que le juif que je viens de vous parler précédemment, qui est le juif assidique. Puis là, je niaise pas. Il paraît qu'eux autres, ils baissent à travers d'un trou d'un drap. Chris. Ils font un trou. Tiens, Ginette, prends-le tout. Mais là, on va régler ça, ce trou-là. Là. Hein? Le premier juif qui a eu l'idée de faire ça, hein? Sa femme est allaite en griffe. Hein? Y a pas un homme ici qui arrête de faire l'amour à travers un trou. Voyons donc, on vient sans terre, pourquoi? On peut-tu au moins avoir un peu de fun? Fais deux autres trous, pognes-y, tonton, gondis! Voyons donc! Faut avoir du plaisir, faut avoir du fun! À un moment donné, ça fait 2-3 ans que t'essayes d'avoir des enfants, puis ça marche pas, elle est peut-être pas du bon bord, là, madame! Mais là, en tout cas, les juifs, les musulmans, faut leur donner ça, par exemple.
Ils ont des convictions, puis ils tiennent jusqu'au bout. Parce que nous autres, les catholiques, on va dire que les convictions, ça fait dur. On n'a même plus le droit de mettre de crucifix dans notre propre province. On vend nos églises pour faire des condos. Je pense que la seule chose qui nous reste de catholiques, c'est qu'on se couche en crise et on se lève en tabarnak. Merci. T'es dans l'une, là. Hey, je suis écœuré de plein d'affaires. Vous voulez se voir si à Laval, live, si vous êtes écœuré des mêmes affaires que moi. Êtes-vous écœuré des hypocrites, vous autres? Oui! Les hosties d'hypocrites. T'as pas dû reconnaître. Ils te demandent comment ça va, mais ils veulent pas avoir une réponse. Hein? T'es écœuré de ça? T'es écœuré? De quoi je t'ai écœuré? Je t'ai écœuré d'attendre. On vient de s'entendre juste pour ça. Mais ça, on fait rien que s'entendre. Hein? On attend que ça commence, on attend que ça finisse, on attend qu'elle arrive, on attend qu'elle reparte, on attend qu'elle vienne. Oh. C'est une joke de sexe, ça? Non, je t'ai carré, on fait rien que ça attendre. On attend tout le temps, on est tout le temps dans une situation. Là, c'est quoi qu'on fait, là? On attend Noël. Il y en a qui attendent, les jeunes doivent attendre, c'est le mois d'octobre, c'est quoi, l'Halloween. On attend l'Halloween, on attend Noël, on attend. On fait rien que ça attendre. À la banque, à la banque. Ça rouvre quoi, 10 minutes par semaine, t'as, c'est une marde-là? T'es curé d'attendre, puis le trafic. Vous autres, c'est quoi le matin, le trafic, Laval? C'est à 15, vous autres? T'es-tu à Repentigny? Ben moi, c'est ça, reste à Repentigny sur le bord de la 40. La crise de 40. Non, moi, je chèque plus, j'ai arrêté, là. Non, mais la 40, ça n'a pas de bon sens. Sérieusement, c'est pas de bon sens, cette route-là. Tu sais, l'expression « bumper to bumper », c'est sûr que le gars qui a inventé ça ou la femme, c'est là, il restait à... C'est sûr, hein? Ça avance pas. Le matin, tu prends la bretelle, t'embarques sur la 40, crée ça sur le parc, t'in. Je m'en vais, Montréal. Ça m'a déjà pris 20 minutes d'écraser un siffleux. T'es écœuré, à part de ça, de quoi je t'ai écœuré? Hein? Êtes-vous écœuré des BS? Hein? Oui! Asti de race de monde, j'ai frais brûlé d'un container, ça, quand même. Mais là, excusez-moi, attendez un peu, attendez. Faut tout le temps expliquer aux gens, pas ceux qui sont vraiment dans le besoin. Ceux-là, je donnerais 1000 fois pour qu'il y ait un petit peu de dignité sur la terre, pour leur donner un peu de joie de vie. Moi, je parle des BS de père en fils. Ceux qui se font des arbres généalogiques de style BS. Ils sont pas durs à reconnaître, asti. Hein? On leur paye des lunettes, puis ils lisent pas. On leur paye des dentiers puis ils mangent des crottes au fromage l'après-midi dans la semaine. T'as pas besoin de dents, suce-les, tes estis de chips. T'es écœuré. Un autre affaire, t'es écœuré. En tout cas, moi, je me suis fait pogner quand on restait sur la Rive-Sud deux fois. Il y a du monde, on va le reconnaître. Ceux qui l'ont pas vu, ils l'ont vu aux nouvelles. Le monde qui monte tout le temps sur le pont au quartier puis ils se crissent pas en bas, les tabarnaks. C'est quoi ça? Hey, on a tous des problèmes puis on prend pas le monde en attente. Qu'est-ce que c'est ça? Ils montent sur le pont puis ils se crissent pas en bas. Hey, puis ils appellent des déséquilibrés. Fuck you! 10 heures sur une poutre, l'heure de même. Trouve qu'il y en a de l'équilibre, là, c'est cave, moi. Depuis que le pont existe, que des caves montent en haut puis ils jettent pas en bas, il y a pas un ingénieur quelque part qui peut inventer de quoi qui arrête de monter? Non! J'ai une solution. Je suis content parce qu'elle est différente de la première que j'ai eue qui était des tirés. Qui mettent du pain. On arrête-tu des affaires, hein? T'es écœuré, c'est à part de ça. Hey, êtes-vous écœuré du monde qui pue, vous autres, hein? J'espère d'être pas pogné à côté de ça ce soir, là. Est-ce que tu es puant, lave-toi? On vit d'une société, qu'est-ce que c'est ça? Mais les pires puants qu'on a dans cette société, le puant de la gueule. Oh, hein? Les puants de la gueule. Comment ça que quelqu'un sait pas qui pue de la gueule? Hein? On dirait qu'il y en a qui mangent la marde en cachette. Là, non, mais sérieux, comment ça que tu sais pas? Non? Quand tu fais offrir de la gomme par des étrangers, c'est un signe, ça? Hey, il y en a un qui parlait l'autre jour, on aurait dit qu'elle a mangé de la moufette à l'ail. T'es écœuré, est-ce que de quoi je t'ai... Ah, une autre affaire, t'es écœuré. Le monde qui sue en dessous des bras, mais qui sue en dessous des bras. Non, mais jusque-là, c'est pas de leur faute, paraît que c'est une glande. Elle marche, elle marche, elle marche.
non, c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. Mais pourquoi ce monde-là, devant le monde, sont contents de voir arriver le Trump? Hey! Asti, t'as une swap en dessous du bras! T'as des brochets qui vivent là-dedans! C'est heureux, appelle-les, Asti, ou fais ça! T'es guéri, si. Une autre affaire, t'es guéri. Les gros qui disent qu'ils sont bâtis. Non, je m'excuse, t'es juste gros. T'es un gros. Parce qu'un gars bâti, ça vient pas rouge-vin quand ça l'attache chez celui-là. OK, gros? On arrête-tu des affaires ou on n'arrête pas? Je t'ai guéré un peu. Je t'ai guéré, mais fait fourrer. On pensait qu'on se fait fourrer par le gouvernement, par des fraudeurs professionnels. Des fois, on se fait avoir par des gens qu'on connaît et qu'on connaît très bien. Dernièrement, ça m'a fait beaucoup de temps parce que ce monsieur-là, il sait que j'aime mes animaux, que je vais faire ce que je peux dans la mesure du possible pour lui donner, on va dire, le maximum de qualité de vie. Mais cette personne-là, il a abusé de moi, de ce crosseur, de mangeux de balus, de vétérinaire, de mangeux de boîte, de sacrament. Écoutez, ça, c'est pas drôle. Puis ici, je suis consommateur un peu imbécile. Il a profité. Hey, il a réussi à me vendre un blanchiment de dents pour chien gris. Il dit, ça va l'aider. Voyons, non. Hey, je suis en train de payer 300$ blanchir les dents d'un chien. Hey, je suis en train de payer avec ma carte. Le petit chien m'a fait déjà le cul d'un autre. Bravo. T'es écœuré, si. Moi, je t'ai écœuré, mais notre gang doit être plus écœuré que moi, nos soldats canadiens. Ils doivent être écœurés de se faire exploser un peu partout en Afghanistan pour des conneries de pétrole puis de religion? J'ai une solution. On les rapatrie toute la gang puis on envoie nos pédophiles. Hein? On en masse de ça, hein? Il y en a tout le temps un nouveau, nouvelle, on doit être bon, faire une coupe de régiment de ces pédophiles, puis aime ça des mineurs, mais qui a le déminé, esti? Hey, ceux qui me suivent, qui suivent ma carrière depuis quelques années, vous savez que je suis pas un gars qui compte bien ben sa vie d'un truc à potin. Puis ça, j'ai rien contre ça, les journaux à potin. Comme tout le monde, je trouve ça bien correct aux toilettes. Mais quand j'ai travaillé ce show-là, j'ai décidé d'ouvrir une petite fenêtre sur ma vie privée. C'est juste con, là, je me suis filmé chez nous dans mon train-train quotidien. Avec une petite caméra qu'on a dans toutes les familles, une petite caméra vidéo. Puis là, je vous le dis, là, c'est pas parce que ma vie est plate, mais je suis convaincu qu'elle n'est pas plus intéressante que la vôtre. Mais moi, je vous en montre un bout, ça ne vous dérange pas. OK? All right. Ouais, j'avais un globe de brûlé, j'étais allé le changer. J'avais emmené des outils, hein? Ouais, quand tu fais de la merde, faut que tu ailles la porter au chemin. C'est moi qui tombe mon gazon. J'ai pas le choix, je suis célibataire. Cette branche-là, hein, elle était morte, puis elle doit être proche des filles, j'ai peur pour les enfants de mon voisin. Fait que. En haut et en bas. Mon pick-up. J'ai resserré mes boulons, j'ai remis mes caps, checké mon air. Hein? Oh! Ça, c'est. Une figurante. Oh! Ça, c'est moi le matin. Je reste sur le bord de l'eau, j'aime ça regarder les canards, la nature. Je m'étire et je trouve que ça part bien la journée. Hey, tantôt, je vous ai parlé comment je suis mauvais avec Internet, ça, puis c'est pas des farces. C'est vraiment pas des farces. Puis là, ça m'a fait rire parce qu'un de mes chums, je pense, ça le fatigue plus que moi que je sois seul. Il m'est arrivé avec un logiciel, puis il dit, Pete, avec ce logiciel-là, tu vas savoir si combien de femmes sont compatibles avec toi sur Terre. Un, je crois pas à ça, mais deux, c'est un jeu, c'est juste le fun. Mais au début, il fallait que je fasse une genre de photo de famille de ça, puis un questionnaire. Hier, j'ai fait la photo de famille avec mon chum, mais j'ai pas répondu aux questions. Fait que je vais vous montrer la photo, puis on répond aux questions ensemble, OK? Oui! Yes, sir. Hey, thank you, mon chum. Ah, ben ouais. Bel job, ça. Tout est branché. Bon. Je vais vous montrer la photo, OK? Enter.
C'est un montage là, que j'ai fait avec mon chum. Donc, mon chien, c'est mon vieux chien bas. Malheureusement, il est décédé, mais je le voulais dans la photo. Ça, c'est moi avec un sou de banlieue. Là, je monte sa bille de même. Là, c'est... Les enfants n'ont aucune idée. Ça venait que le logiciel. Alors, mais c'était mes enfants, j'aurais dit à ma fille de moins rire. À un moment donné, elle n'a pas de dents. Et ce qu'on voit en blanc avec des pointillés noirs, c'est ce qui manque pour faire une belle famille comme ça. On va regarder combien il y en a. Enter. 3 milliards de... Tabarnak! Je pars pas tout seul de Laval à certains soirs, là. 3 milliards 228 millions 200 300... Hey, tabarnak! OK, les questions viennent d'apparaître. Parfait! OK, vous comprenez le principe? On répond aux questions qu'ils donnent, puis à la fin, on va savoir combien de femmes sont compatibles avec moi. Vous comprenez? Parfait. On commence avec l'âge. Quel âge qu'on donne? Coucou! Êtes-vous là? 20, c'est peut-être jeune un peu. Hein? Non, mais attends, Claude Dubois, il a de l'avoir du fun. Hein? C'est ta tableau une fin de semaine sur deux. Bon, okay, arrête de nier, là. Non, OK, on va se donner une chance, OK? On va dire entre quel âge et quel âge? 20... Ben, regarde, 25-45, c'est-tu bon, ça? Ben, 28-45. OK, monsieur. OK, parfait. 28-45. Enter. C'est parti, gang. La grandeur! 4 pieds. Hey, c'est pas long, hein, ça? 4 pieds, comme... Ouais, c'est ça. Hey, Minou, t'en repousses, hein? Hey, non, mais sérieux, arrêtez de niaiser, là. Moi, je mesure 6 pieds 1 et 3 quarts. Quelle grandeur on donne? Et 10 et 8, on met-tu les 9? 5 et 9? Ah, OK, 5 pieds et 9. Enter. Ça va bien. Ouais. Ça allait bien, mettons. Le poids. Hein? On va faire de l'estimement. Hey, proportionnel, ça, c'est de l'estimement, man. Fuck off. Hey, ça, c'est de la merde. On va dire qu'il y a des gros os. Hey, ça, cette affaire-là. Là. En quel poids qu'on donne, hein? 2,40. Es-tu malade, esti? C'est pas j'aimerais ça l'amener au restaurant, des fois, là. Ah non, mais c'est sérieux, tableau. Moi, dans ma tête, si elle perd connaissance, je vais être capable de l'emmener là, juste d'un voyage, Chris, voyons donc. Sérieux, quel poids? Oh, 120, ça, j'haïs pas ça. C'est bon, ça, monsieur? 120. Les gars, je savais que ça ferait de la merde. Écoutez-moi! T'es mieux de la prendre plus petite, au pire, elle en prendra un peu, que de la prendre trop pesante, ben, elle veut tout le temps descendre. 120. Moi, je couche avec, là. C'est pas en santé. Arrête donc ça, 120. Enter. Ça va très bien. Les seins! Hey, elle est encore en maudit! Elle n'aura pas! C'est quoi? Parce qu'elle mesure 5 pieds 9, ben, elle s'en va, elle n'a pas de seins! Non! Si on va y enlever un rein puis les amygdales! On veut des tatons! OK, regarde, on va faire un compromis, OK? On va dire un... Ben, attends un peu, là. On va dire un C gauche. On va dire un B droit, OK? Enter. Hé, hey, la marmec, ça a marché. Hey, c'est drôle, ça. Ah, les fesses. 2, ouais, pas plus. Hein, on en masse avec ça, deux. Hein? Y a-t-il une particularité aux fesses? Rondes? Il y en a-tu qui sont pas rondes, non? C'est, il y en a des carrés, c'est quoi? Ah, oh, ça tombe, monsieur, des fois! On dit, hey, il a donné un coup de portefeuille! Il parlait pas de vous, madame, là! C'est très bon. Non, mais qu'est-ce qu'on a? Bombé, bombé. C'est beau, ça, pas trop, là. Faut que ça rentre dans une chaise, là, mais bombé. Les filles, les amis haïtiennes, d'autres d'être chanceux, de la génétique, là. Beau, t'as dit. On va y aller avec Bombay. Bombay. Enter.
C'est drôle. Parfait. Hein, qu'est-ce que c'est ça? Organe interne. Okay, ça vient pas avec ça, ça? Avec une idée? Qui possède une grosse vessie? J'aimerais ça une fois, moi, qu'une fille fait Montréal-Québec d'une shot, Chris. Enter. Hein, les petites vessies, allez-vous-en. Bon. Poil pubien. Comment non? Pas à peau, là. Mais non, ça fait pédophile, ça. Mais ça, oui, ça, oui. Non, mais ça prend un minimum. Hein, d'accord. Sinon, ça fait... Brésilienne. Comment ils appellent ça? Brésilienne. Un petit mohawk? Un mohawk? Un petit mohawk? Une queue de Suisse, ça, si tu veux. Hein? Ça prend, hein? Ouais. Tiens, regarde, on va régler de quoi? On va dire pas de grosse touffe. Enter. C'est drôle. OK, après ça, poil de... Tatouage, tatou, tatouage. Oui, non, non, non. J'avoue que je ne trippe pas particulièrement là-dessus, mais il y en a tellement de neurones, dire non serait comme de se limiter. Tu sais, je peux vivre avec ça, là, une petite grenouille sa cheville. Mais pas avec un aigle entre les deux omoplates. Chris, c'est une fille que je veux, là, c'est pas une transam, tu sais. Tiens, on va y aller comme ça, subtil. Enter. Passé sexuel. Passé sexuel. Vierge, t'es malade. Imagines-tu, toi, 28, 45, vierge, on va être. Non. Je veux même pas y voir la face, imagines-tu. T'as un asperge, je sais pas, là. Mais non, si, ça prend. C'est respecté. C'est-tu correct, ça? Là, on va dire, mettons, qu'il n'a jamais couché avec Michel Barrette. Mon Michel, enter. Si tu voulais faire une joke, là, c'est pas drôle. Non, mais non, lui, maintenant, bon, qui n'a jamais couché avec Grégory Charles. Enter. Caractère. On a le droit à trois traits de caractère. Ouais, Charles. Non, mais sérieux, des traits de caractère? Douce, c'est pas un chien que je veux, là, c'est-tu? Ouais, intelligente, ça, j'aime ça, intelligente. Ensuite? Hein? Qui boude? Qui boude pas, elle est bonne. Elle est bonne, pareil. On va dire pas de boudeur, pas de boudeur. Un autre? Cochonne. Cochonne, sont toutes cochonnes, ça dépend du gars. Hein? OK, sens de l'humour, ça, j'haïs pas ça. Sens de l'humour. Enter. Ah, c'est quoi ça? Arrête, arrête, arrête! Calé. On aurait dû pas mettre le boudard, hein? Bon, au moins, il en reste une. Enter. Wow, elle a l'air belle. Elle est checkée les cheveux. On dirait des raffles. Wow. Oh ben, elle lit un livre de chasse à pair. Un petit d'agace, hein? Non, mais elle est belle en tabarouette, pardon, hein? Elle vient ici, regarde-moi. Wow, elle était magnifique. J'espère que t'es aussi belle à l'intérieur parce que ce que tu dégages, c'est vraiment, là, c'est pas mal parfait, là. C'est qui, ça, ton frère? C'est quoi, ça, c'est? Oh, ben, tabarnak. C'est une lesbienne! Il aurait pu le mettre des questions, lesbienne! Esti! Voyons! C'est quoi, ça? Le pésé, c'est mes favoris!
Hey, là, c'est un peu touché, là. Mais je pense qu'on est d'accord. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de couples ce soir. J'ai remarqué en vieillissant, c'est le fun pour ça, au moins, on réalise plein de choses. J'ai réalisé que, tu sais, quand tu es en couple, peu importe le sexe des gens, quand on veut vivre l'intimité, l'ambiance devient très importante. Jusque-là, êtes-vous d'accord? Oui. L'ambiance est très importante. On dirait qu'il y a des choses qui se disent pas ou qui se font pas à clarté. Hein? Tu sais, en t'es-tu fou? Dis-moi pas ça de même en plein jour, voyons donc. J'étais pas prêt. L'ambiance est importante. Hey, juste de même, Mathieu, fais-moi une ambiance. Une petite ambiance. Parfait. Regarde, on va se laisser aller, OK, tout le monde? Hey, mets-moi un petit bain. Mets-moi quelque chose, m'asseoir. Un coffre, ça, mon frère. Thank you, mon chum. Hein, merci. On va m'asseoir ici. On se laisse aller, OK, tout le monde? Hey, pas de cul, si tu tires pas mes culottes. Hey, on s'imagine, les amis, à soir, que la salle André-Mathieu se transforme en un immense lit, OK? Puis tout le monde, c'est là, il quoi, là? Chris, il arrive 10 heures moins quart. Si on veut planter des fleurs, là, non, c'est une joke. Non. Non, on s'imagine, c'est un immense lit, tout le monde, puis c'est l'heure d'aller se coucher. Êtes-vous d'accord avec ça? Embarquez-vous? Oui! Parfait, OK? Mais là, les filles, gardez vos bas, par exemple. Hein? C'est de pieds gelés tout le temps. C'est quoi que vous avez? Hein? C'est quoi votre problème avec ça? On dirait qu'il vous manque deux pintes de sang dans le corps. Les gars, ont-ils écœurés de se faire geler le mollet chaque soir? Là? Fait que gardez vos bas. S'il y en a qui dorment tout nus, go. Puis les gars, renvoyez pas une cipette d'un couvert, ça va aller mal. Hey, là, je sais, les amis, je vous niaise pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur de la noirceur puis tout ça. Je vous jure, je vous fais pas de ça puis je fais pas de peur à personne. C'est juste pour embarquer dans le mood, OK? Pour qu'on soit dedans, l'ambiance. Ah oui, Mathieu, ferme ça, OK? Hein? Hein? Moi, je me sens comme un loup-garou de la vulve. On dirait comme mon père, dans la clarté, les fesses serrées, dans la noirceur, comme dans du beurre. Hey, rallume ça deux secondes. Rallume ça deux secondes, Mathieu. Merci. Je peux-tu te regarder, mademoiselle? Je vais t'expliquer la différence entre la clarté, la pénombre et la noirceur. Il y a des choses qu'on peut se permettre de dire à la clarté, mais ce n'est pas les mêmes à la pénombre et à la noirceur. OK? Comme à la clarté, comme ça, je peux me permettre de dire j'aime tes yeux. À la pénombre, oui. J'aime tes seins. À la noirceur, j'aime ta sœur. Mais là, vous êtes d'accord, par exemple, qu'il y a des affaires que c'est impossible la première fois que c'est arrivé à clarté. Hein? Comme le premier couple qui ont fait la position 69, Crisp. Vous savez, c'est quoi le 69? Oui. En français? Bout pour bout? En anglais? Face and a snatch? Non, sérieusement, le premier couple qui ont fait le 69, c'est pas arrivé sur l'heure du midi, là, dans la cuisine, là. Non, si, ça arrive, enfin, de même. Mais là, les gars, je parle d'être d'accord avec moi. Il y a des filles que tu rencontres de même chez la rue, puis la première fois que tu les vois, tu fais hey, tabarnak, elle a de l'air straight, elle a de l'air d'une bibliothécaire. Ça va prendre 20-25 soupers avant d'avoir un bec esquimau. Hein? Mais attention, ces petites-là, c'est des démons. Tu te dis, c'est plus dangereux. Ça, tu amènes ça chez vous, tu y fais un petit souper, tu baisses la lumière, en baissant la lumière, elle sac sa brassière dans le fondu chinois, puis tu fermes la lumière, puis elle dit hey, on joue-tu à deviner qu'est-ce qu'on se met dans le cul? Moi, c'est un petit jeu-là. Là. Ça rentre pas pantoute. Non, mais c'est quoi le sexe? Donc, rendu pervers, c'est dans le cul, dans le cul, dans le cul, il y a d'autres choses. Tu sais, à un moment donné, la fille fait une fellation, à deux doigts dans tes fesses, elle arrête et elle fait qu'est-ce que t'aimerais? Enlève-en donc un. Ouais, mais il va te dire qu'il y a des affaires que c'est impossible d'imaginer qu'on peut faire ça à clarté, comme les filles qui font des pipes pas dedans. Ben, on s'entend-tu que c'est pas quelque chose que tu fais à clarté? Non seulement tu fais pas ça à clarté, mais tu fais pas ça à petite noirceur. Tu fais ça à grosse crisse de noirceur. Hey, je veux même pas la lumière du cadran. On ferme les breakers.
Hey, t'imagines-tu, toi? Hein? T'imagines-tu, toi, en plein jour, sur le bord de la piscine, tu t'es offert une pipe par une fille pas dedans? Hey! À un moment donné, tu t'ouvres les yeux, tu fais « Chris, t'es en train de me faire super par une tortue, moi, Chris! » Hein? Hey, c'est cool! Hey, mes amis, c'est déjà le dernier numéro. Ça va très vite. Ben, c'est ça, mais ça fait que ça va avoir fait près de 2 heures, mais c'est génial, mes amis. Mais une chose est sûre, je suis content, mesdames, soyez venus au spectacle ce soir. Mais je suis content aussi de voir qu'il y a bien des gars qui sont venus. Parce que je voudrais profiter de l'occasion d'avoir autant d'hommes réunis dans une même place pour faire un meeting de gars. Vous pouvez rester, filles, il n'y a pas de problème. Vous êtes concernés. Parce que les gars, je ne passerai pas par 4 chemins. Et je ne tournerai pas autour du pot. Mais je pense sincèrement me séparer de vous autres prochainement. Ouais, je vais partir ma propre race. Parce que moi, m'excuse, je n'embarque pas, là-dedans les nouveaux styles de gars qu'on a depuis une dizaine d'années. Je n'embarque pas, tu sais. Puis il y en a en caisse à l'avant. J'en ai vu au top. J'en ai vu partout. Les métrosexuels, les ubersexuels, les pas trop sûrs sexuels, de style tapette, de grise. Vous êtes en train de scraper la race du monde original. Y a-tu moyen en 2010 d'être un homme sans être un macho ou un homme rose, juste un homme? Ça n'a pas de l'air. Comme il y en a ici d'asseoir qui se rend d'ailleurs que d'en face. Ah oui, si t'as pète, t'as le bas à main. Comme il y en a qui se rend de chess, hein? Là, ils vont dire, moi, mais j'ai pas le choix. Je fais de la compétition de natation. Fuck you, esti, un ours pas mal plus poli que toi pis ça rattrape un saumon. Les gars, faut se réveiller. Rappelez-vous de nos pères. On avait peut-être des pères avec des faces de pères. Au moins, ils nous montraient à devenir des hommes. Ça, c'était des hommes. C'était solide. C'était des exemples pour nous autres. Quand ils se rasaient le visage dans la salle de bain et on l'espionnait par la porte. Allez, tu voyais ça avec l'espèce de pioche. Elle s'enchelait partout. Puis après, ils se mettaient de la Covelva là-dessus. T'abandonnais ça puis du gaz. C'est la même affaire, là. On arrivait à l'école et on disait, mon père, c'est le plus fort. Imagine les jeunes aujourd'hui. Ah, il espionne son père dans la salle de bain. Il se fait rendre. Barre la porte, mets le tapis dans le bas. Faut pas qu'il voie ça, tu vas le fucker dans la tête. À Noël, il va te demander des patins, des griffes en avant. Qu'est-ce que c'est ça? Les gars, faut se réveiller! Faut se réveiller! Mesdames, soyez fiers d'être des femmes, parce que ça va bien. Vous êtes une lancée, ça monte, puis ça va vite. Nous autres, les gars, ça descend, puis ça descend en crise carpette en tabarnak. Hey, avant ça, on avait des vikings, des gladiateurs. Qu'est-ce qui reste? Des kiwis, des hommes. Call. Hey, c'est plus drôle, là. C'est plus drôle. Mesdames, je suis fier de vous être rendu indépendante de fortune. Vous avez des belles carrières. Puis enfin, les gens ont réalisé, au moins ici, on va dire en Amérique, que les hommes et les femmes, on est égales. Différents, mais égales. On dirait que l'homme, il n'a pas bien pris ça, hein? Lui, il est reparti sur l'autre bord. Puis, depuis un certain temps, mesdames, quand je vous croise ici et là, sur la rue, je vois de la tristesse dans vos yeux. Parce que ce n'est pas évident pour vous non plus de porter ce fardeau, d'avoir les pantalons à porter dans cette maison-là, avoir tous les chapeaux. C'est pas évident pour vous. Comme, par exemple, l'affaire que vous avez emmenée avec vous ce soir au spectacle. Ce petit être rempli d'émotions. Il sait plus trop, lui-là. Il sait plus trop, hein, socialement, il est où? Je suis macho, moi, là, je suis trop. C'est pas trop. Ah, tu vois, mais quand il arrive, je déchire sa robe sur le dos. Oh non, je vais la laver. Mais mesdames, je suis convaincu que c'est pas plus drôle pour vous de voir l'homme le voir se dégrader comme ça. J'imagine que vous trouvez pas ça le fun, vous autres non plus. Mais il est peut-être pas trop tard, mais une chose est sûre, c'est que pour faire sentir un homme, ça prend une femme. Voulez-vous m'aider, mesdames? Oui! Plus fort, là! Oui!
Parfait. Mais il faut y aller par des petits gestes simples du quotidien. Faut pas trop y brusquer, je vous l'ai dit. Ils ont des sentiments, des émotions. Je sais pas. OK, on va faire le coup de l'araignée. Je sais que vous avez plus peur de ça, mesdames, l'araignée, mais jouez le jeu. Quand t'en vois une, viens folle, folle raide, crie, monte une chaise, monte sur la table. Chérie, chérie, vite, il y a une araignée! Elle a des gros yeux, ben me vise la gorge! Mais avant de crier comme une folle, puis de monter sur une chaise, monter sur la table, l'araignée, c'était capable d'y arracher 3-4 pattes, puis de l'assommer un petit peu. Parce que c'est trop mobile, puis elle survit, puis elle part vers lui. Oh! Vous aimerez pas l'humeur que vous allez avoir. Les gars, il faut se réveiller. On est rendu avec des gars qui ont des crèmes de jour, des crèmes de nuit. Voyons donc! Il a fallu que tu y ailles à la pharmacie pour ça. Ils ont pas d'outils là-dedans, des calices! Hey, on est rendu avec des gars qui ont des shampoings aux agrumes. Hey, un gars, c'est du Eden chaud, dur. Pas pour les pellicules, ça rime avec Black End, Decker. Hey, on est rendu avec des gars qui se promènent avec des sacoches à la rue de m'amener. Là, ils vont dire, ben non, pis c'est pas une sacoche, c'est un fourre-tout. Christ, ta gueule, ton fourre-tout va te le fourrer dans le cul. Un homme, ça devrait être fier au printemps de sortir sa tondeuse pour la première fois et réussir à la partir du premier coup de crin. Et une fois que la boucane se dissipe, ta voisine devrait voir apparaître un homme. Un homme! Ça fait des affaires d'hommes. Un homme, ça fait pas du lèche-vitrine. Non. Ça lèche n'importe quoi sauf une vitrine. Un homme! Ça broille pas pis ça chiole pas. Pis quand ça se coupe un doigt avec une skinsa, ça le répare avec du gaffer tape. Un homme! C'est capable de se moucher pas de Kleenex. Pfff. Un homme! Ça l'aime pas des seins, ça l'aime des totons. Un homme! Ça l'agit en homme en présence de d'autres hommes. Ça dit pas à ses chums, j'aurais aimé ça me baigner, mais je voulais pas me mouiller les cheveux, mon temps. Un homme! Ça l'allume un feu de camp avec du gaz, ça l'éteint de la pisse, Chris. Un homme! Ça salit en mangeant puis ça pète quand ça lève de quoi de pesant. Un homme, ça n'a pas besoin d'un côté femme, mais un vrai, ça a besoin d'une maudite bonne femme à ses côtés. Laval, merci. Merci. Yes, sir. Merci beaucoup, tout le monde. Hey, ça a été la plus belle captation de ma vie. Je vous remercie beaucoup. Puis prochainement, je m'en mets à l'écriture. On va vous en sortir un autre spectacle. Merci, gang.